Re-re-re-tout. Et depuis tout à l'heure, j'arrive pas à faire mon re. Un re assez classe. Genre. Mais c'est pas grave. Parce qu'on est pas là pour être classe, on est là pour faire un peu de StarCraft 2 et. Là, cette petite micro-gestion là, d'avoir perdu contre du gold, là, ça m'a un peu frustré. Donc on va partir. On va partir en classé. Ce qu'on va faire du random en un enquête. Faire un peu de random. Contre du bronze. Pour un peu expliquer le jeu à ceux qui connaissent pas le jeu. Mais... Comme à la base, on était censé le faire jusqu'au moment où, où je veux mettre un drop plus de frames que je dois en encoder. Ce qui m'a fait un peu paniquer. Je dois vous le dire. Perdre contre du gold et du bronze. Surtout du bronze. Parce que Iskola Tarek qui a fait la game au final. Donc du coup, moi qui voulais jouer contre du bronze, je joue du diamant. Comment on fait? Bon, on verra. On risque de 6 poules. Apparemment, presque j'ai vu le directeur, on peut battre un diam en faisant des 6 poules. On peut battre même Mercure en faisant des 6 poules. Donc, pas Stalker, je suis deg, mais on n'est pas assez pour faire un Stalker. Ce n'est pas... C'est pas contre toi. Hein. C'est juste qu'on n'est pas assez. Si on avait été 100 000 sur le chat direct, j'aurais fait un Stalker. Ah ok. Donc j'en étais où? Ah oui, on peut battre Nerkio en faisant un 6 poules. Ou Zerator qui a battu Nerkio. Partait sur un 6 poules, je crois, puis il l'a transitionné, parce qu'il avait contré, mais il avait tué des bras. Enfin. Game assez serré qui est normalement sur son YouTube. Le seul Béoviable que je connaisse. Il y a d'autres Béoviables. Hein. Il y a... Le 7 poules est bien. Même si les puristes sont hein, tu fais un drone. Non, cette poule est bien. Mais non, je n'ai pas d'autres jeux en plus. Moi, je ne joue qu'à StarCraft, à LOL et à Diablo un peu. Moi, j'ai déjà battu Moment en ZVZ en macro. Ouais. Mais ZVZ, c'était random. Mais d'ailleurs, si vous voulez voir la randomitude du ZVZ, il y a une vidéo qui traîne sur YouTube. Où avec toute l'équipe au gaming à l'époque, où Moment a battu Stéphano en ZVZ, je crois que c'était sur Metalopolis. Mais il l'a battu quoi. Je veux dire, moi, à mon avis, Stéphano n'était pas dans son état, son vrai état, mais. Alors ce n'est pas un fait. Il fait toujours Roach Wild, et c'était d'ailleurs du Roach V Roach. Même si Moment ne fait pas que du Roach, hein, il fait aussi les Hydra. Mais son BO favori reste, enfin ce que je vois de ses streams, Mass Roach into Mass Roach. C'est le moment. M-O-N-T. Non, non, c'est pas un mot M-N-T. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi je fais une queen en fait? Bon, je vais faire des drones. On va essayer de transitionner sur 6 pool into fast pro base. Tiens, il m'a vu. North Star de la team LVD. La team LVD. LVD que je ne connais pas. Une team qui ne doit pas exister d'ailleurs. Ah 9 poules évidemment. Parce que le stream est éteint. Et donc, alors là on va essayer d'utiliser. Ah, j'aurais bien aimé essayer d'utiliser la spine pour que créer des goulots, des étranglements, etc. Mais ça ne marche pas. Bon, je sais pas si je vais faire assez de dégâts. Part sur B2. Go 6 pull into 7 roche. Go, je vais 6 pull into 7 roche. C'est ça qu'on va faire. GG no roche, non pas GG no roche. Je pense que j'ai fait le dégât. À mon avis, j'ai fait le dégât. Surtout qu'en plus, il passe. Non mais. Là, le 7 roche. C'est l'idée du siècle. L'idée du siècle. C'est quoi le considérant tout ça? Pas assez de dégâts. T'es sûr? T'es sûr? Parce que c'est vrai que là, s'il était parti sur une base, il y aurait plus de drones communs, mais là quand même. Oula, s'il scoute le bataroche par contre là ça va être la merde. Ça va être vraiment tendu s'il scoute le bataroche. Alors, reste un peu par là. Tu vois, tu marques Queen par là. Elle est faible et fragile. Laissez la Queen tranquille. Pas assez voir 0. Non, non, non. Vous êtes médisant.
Vous êtes médecin. Économiste pour une BT. Ben, je sais pas. Vous êtes sûr? Vous voulez pas que je fasse plutôt un Blue Haze? Parce qu'une BT... Moi, je trouve que c'est un peu trop agressif. Sur ma Poppy, d'ailleurs, maintenant, sur mon nouveau BO avec Poppy, je fais un BT. Je fais une BT. Parce que je suis le best joueur Poppy ever, si vous avez pas vu sur Next. J'avais carry en bronze 3 avec Poppy. Ah oui, il y avait deux en close, c'est pour ça. Si j'avais pas vu le B2, j'aurais ragé. Mais... Là, je pense que là, c'est pas grave. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il laissait Bling en haut? Il a cancel sa B2. Mais non. Comme tous les stream hackers, il a cancel sa B2. Ou à moins qu'il laisse sa B2 mourir. Non, mais d'accord. Avec quoi il l'a vu? Bon, avec l'over, d'accord, peut-être. Laisse sa B2 mourir. Laisse sa B2 mourir. Faudrait que je push avant que l'aiguillon se finisse. Pourquoi moi, chaque fois que je fais full blink contre des roches, ils sont défoncés? C'est encore une fois le jeu qui triche. Alors, quelle ligue? Quelle ligue master? Pourquoi ce format d'image? Je ne comprends pas la question. Et but? À la base, c'était parti sur un but didactique, mais... Vu à quel point je suis mauvais en ce moment, je pense que... On va plus s'orienter sur quelque chose du genre... je vais faire les BO... les plus chelous de la terre et on va essayer de gagner. T'es pas en 16e. Et comment ça va, tu penses? Du coup, c'est pas habituel pour les gens. Je sais pas. Hein. J'ai toujours fait comme ça. Hein. C'est pas bien comme ça pour me dire. Hein. Bic. Mmh. Avec le low master sur cette saison. Low master sur cette saison grâce à une erreur fatale de début de saison qui a fait que j'ai commencé la saison à 0 win et 24 défaites. Ce qui a fait que mon ratio était pas top. Mais bon, je pense que je vais remonter top d'ici la fin. Enfin, je finis la dernière top. Et je finirai celle-là top master aussi. Il n'y a pas raison. Ma config de tête. Je sais pas, je crois que je fais du 30 cm, 40. Enfin, je sais qu'en chapeau, je fais taille adulte. Mais sinon... Non. Ma config, j'en sais rien. Ma config de PC, tu veux dire? Config de PC. Je n'ai aucune idée de ma config de PC. Mon PC est beaucoup trop vieux pour que ces configs tiennent. Mon PC, je crois qu'il... Là, il va sur sa 8e année, là. Il part sur sa 8e année d'âge. Du temps d'âge, c'est pas mal. Pour les 20, c'est pas mal. Pour stream du SC2, c'est un peu moins bien, mais... Ça tombe, hein. Moi, je trouve que ça tombe. J'ai pas eu de lag depuis tout à l'heure, à part les 2-3 drops. Donc, personne ne sait d'où ça vient. En fait, c'est facile de passer... Et un petit commentaire. Un petit à côté. Pourquoi un petit à côté? Bon, on va. Je comprends rien de ce qui se passe sur IRC depuis à peu près le début du stream. Derrière toi, quand même. Derrière toi, t'as un ninja qui lance des bananes. Je peux GG, je crois. Effectivement, je peux GG. Je peux GG, je crois également. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi je faisais des rods depuis tout à l'heure. Je peux GG. Effectivement, je vais... Quand
Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maxime. Maxime. Comme la personne qui va stream après avec, avec Vince, tout simplement, que vous pouvez retrouver juste après moi sur la ZTV. Alors, bon, pour le CD ou Diablo, un écran PC normal et le 94, les films ou les MMO, d'accord. Oui, effectivement. Par contre, c'est un seul PA, évidemment. Bonsoir, bonsoir à toi, Alpaga. C'est quoi la référence d'Alpaga, d'ailleurs? C'est sûr que je connais. Mais je connais, t'inquiète. On connaît tous, hein. Ah, enfin un goal. Si on est 5 dans le lobby de Strikers, si tu veux un peu de 3, c'est 3. D'accord, de venir peut-être sur après sur un petit Striker. C'est un animal, l'alpaga, effectivement. Un animal. Un animal à pattes, je crois. Je crois un animal Protoss. Protoss. Bon, on va partir sur une macro. Okay. Parce que là, c'était un but didactique, donc on va essayer d'expliquer ce que je connais du peu du PVZ. Un truc, après on partira sur un striker, Wish, Outerleg, pas la peine de mettre tant de points d'exclamation. Telle une personne d'un certain âge. Zerg, ce n'est pas ta main race. Non, ce n'est pas ma main race du tout. Ma main race, c'est Terran. Bien. La race qui est pour moi la plus forte du jeu, hein, en termes de balance, on va être clair, mais également la plus dure à jouer. Padoua, il n'a pas niveau. PVZ, 9. Pas de striker, mais... c'est pas quoi. C'est pas... Je ne comprends pas. C'est moi qui ai proposé. Copain bronze. Il n'y a pas de N à bronze en fait. Voilà. PVZ, effectivement, PVZ. PVZ, si vous êtes Zer, normalement c'est un 15 pool. Mais depuis que les drones vont tout seuls au minerai, jeu de casu, le timing est passé à 14 pool. Donc si vous jouez sans le split, vous faites. Sans le split automatique, vous faites 14 pool, 15 pool. Si vous jouez avec le split automatique, vous faites 14 pool. Parce que ça va plus vite. Et ensuite une hache. Et la compo du PVZ, c'est du Hydravling. Et donc pour un 9 pool, par contre, c'est un peu trop tard. Je ne sais pas si vous connaissez le concept du 9 pool. Mais en fait, ça consiste à faire une pool, donc un bassin génétique, à 9 de population. Et du coup, je suis déjà à 5, donc ça va être dur. Un 1-1 contre Shooter Leg. Si on n'a pas le temps pour un Star Striker, je pourrais peut-être un 1-5. Je ferais peut-être du 1-1 contre Shooter. Ah, Hypnose qui est triste. Donc allez MP Hypnose, allez lui dire qu'il ne faut pas être triste. Pourquoi un gaz aussitôt? Pourquoi un gaz non pris aussitôt? Gaz non pris. Il faut savoir que le gaz en Protoss c'est à 20. Parce que c'est un gate. Que le Protoss c'est à peu près... Si par exemple vous êtes à 18, Le Protoss va être à 20 pop. Parce que avec les chrono boosts, il a à peu près 2. Et vous, comme vous perdez des drones en faisant des bâtiments, etc., il a à peu près 2 pop de plus que vous. Il va faire un striker, donc, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Là, parce que si ça continue à dropper comme ça m'énerve. Parce que ça ne dropait pas tout à l'heure. J'ai fait la pub, et maintenant ça drop. Bon, ce jeu n'a pas de sens. Peut-être. Il va faire un striker, non. Oh là là! Des canons photons. Il a fait un One Gate Expo into Forge. Comment pas, pourquoi, comment fais-tu pour avoir des canons aussitôt? Est-ce que je jouerais contre quelqu'un de bizarre? Parce que alors voilà,
canon photon, réaction, bon, vous essayez de sortir la queen pour mettre du creep, etc. Bon, pour empêcher qu'il étende trop ses canons. Ça, c'est typique. Vous sortez un wondering pour faire pour pas que la prop sorte et elle vous embête ailleurs. La prop est déjà sortie. Donc, si la prop est déjà sortie, ben, elle est là. Elle est là, justement. Et voilà. Et comme il a mal posé son truc, normalement, avec la queen, d'en bas, je pourrais taper le pylon si je me donne la vision avec lui. Voilà. Ah, donc là, qu'est-ce qu'il a? Il a fait en fait une forge expo. Il a fait en fait une forge expo. Mais c'est bizarre. Hein. Il a fait une forge expo, des trucs vides, des gaz vides, une forge, des photons. Bon, on va essayer de lui faire un melting pot. Si une stream encore, on va essayer de lui faire un melting pot. Là, ça casse, c'est bien. Avance le creep comme on peut. Point d'interrogation. Exact. Exact, exact. Tu as bien raison. Mais là, il n'y a plus de lag. Il n'y a plus de drop. Est-ce que ça lag? Oh, le machin qui vole. Ça m'énerve. Il y a un petit micro. Alors. Adachi, mauvais, t'es mauvais. Ouais. Ah bon, là on va full gling sur de base, on va essayer de le submerger. Bon, Proto Simba plus Streamac. Non, mais je pense pas que ça Streamac. Bon, toi, c'est Streamac, ça m'énerve. Moi, tous les streamers sont à ouais, Streamac, c'est pour ça que je perds, sinon. Tu perds, qu'est-ce que je te dis. Beaucoup de drama celui-là, c'est là, beaucoup trop de drama, évitez de faire du drama. Tu vas pas perdre contre un gold. Mais je crois que c'est on the way la lose contre un gold. Non mais vraiment, je me prétends pas du tout gold dans Zer. Qu'on soit clair. Dans la théorie sûrement, mais. Mais dans la pratique en Zerg, vraiment une bidailleur. Fun pack évidemment, comme c'est censé être didactique. Tout à l'heure, ça avait vachement. Je vous conseille, tous ceux qui ont du mal aux injects, de mettre les queens, vos queens là, dans vos raccourcis clavier. Genre queen 1, queen 2, queen 3, etc. Bon, là, c'est... Ok, 3 minutes. Moi, je suis cuir en terrain. Mais cuir est une très belle ligue. Mega. Ligue très noble. Cuir est quelque chose. Mais voilà. Mais alors, ça, ce machin qui vole. Ce truc est inadmissible. Hein. Dans le jeu, honnêtement, je trouve que ce jeu est balance. Mais ça. Je crois qu'ils ont oublié un truc dans. Quand ils ont fait ça. Je crois qu'ils se sont dit, ouais, les Protoss, c'est nul, ils perdent tout le temps dans leur game. Donc on va leur mettre un truc, bon, ça c'est normal. Sauf que, qu'ils puissent pas perdre en early, bon, d'accord. Mais le truc, c'est qu'ils peuvent pas non plus perdre en late, donc... Non, c'est pas du one, mais je pense que vraiment que... Quelque chose a changé dans Mother Ship, quoi. Comme il y avait à l'époque, quelque chose a changé dans le Battalion, je suis le premier à le dire. Mass R, d'accord. La strat, c'est brisage de buant into photon rush into mass R. Non. Alors, mass R, pour ceux qui ne savent pas, c'est le même. C'est un synonyme de full R. Hein, parce que c'est... Et ça redrop. Un
grand pouvoir à instant click. Alors. Un grand pouvoir implique de niquer sa race. Ah, Golden Moustache. Excellent d'ailleurs, les acteurs de. Il n'y a pas de drop. Il n'y a pas de drop là. Alors moi sur mon truc je vois qu'il y a 3400 frames de drop, mais il n'y a pas de drop. C'est étrange, c'est très étrange. Mais en fait, pourquoi ne lift-il pas? Ah oui, parce qu'il se dit qu'avec ses masses oracles, en fait... Belle référence à Pi, super héros hangover. C'est un super sketch. Super sketch. Un grand pouvoir. Hein. Ah, regardez hein, les Golden Moustache. 2 minutes, c'est le Québec. 2 minutes. Bon ben là, donc ça va être le Québec dans 2 minutes, merci de me l'avoir rappelé, donc moi je pense que je vais vous lâcher. Ah je vais vous lâcher, je pense que de toute façon la game est finie, il va rester jusqu'au dernier bâtiment je suppose. Donc là, Massidra pour contrer, je pense que c'est rien. C'est ça, c'est un shooter avec sa fire, et oui, oui, et on est prêt, donc voilà. Donc, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée avec la Québé, avec la Québé ou avec la TV québécoise, en fait, XD2, et puis au revoir, puis une bonne fin de semaine. Normalement en plus on se retrouve demain pour du next, vous allez adorer pas pouvoir jouer avec Fury, parce que je vais rafler tout l'argent. Allez, ciao.